Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog de mon week-end de folie. Du coup, je vous explique un peu le programme. Déjà, il fait super beau. Le ciel, il est bleu. Du coup, ce week-end va se composer de aujourd'hui. On va se préparer ensemble. Et ensuite, je vais aller au concert de la Star Academy. Du coup, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une émission télé où il y a des quotidiennes tous les jours. Et le week-end, il y a le prime où il y a une personne du groupe qui se fait éliminer. Et là, c'est les 7 meilleurs qui font une grosse tournée avec genre 80 dates. Et aujourd'hui, c'est mon jour parce que j'y vais. J'ai reçu ça, c'était mon cadeau de Noël. Je suis trop contente. Du coup, on va se préparer ensemble et je vais vous filmer un peu toute ma journée. Demain, c'est la sortie à Walibi avec toutes les filles de la gym. Du coup, je vais vous filmer aussi toute notre journée à Walibi. Ça va être un week-end de folie. Du coup, là, je vais commencer par choisir une tenue pour y aller. Je sais pas comment je m'habille. En plus, aujourd'hui, il va faire chaud. Il va faire 25 degrés. Du coup, je sais pas comment je m'habille. Est-ce que je mets un t-shirt? Mais j'ai peur d'avoir froid. On va voir. Voilà, je suis toute prête. Là, j'ai mis mon haut. Avec ça. Voilà, voilà. Et maintenant, on va aller faire les cheveux et le maquillage. Et on se retrouve juste après. On est arrivé à la salle. Coucou. Là, on a vu le stand. C'est cher. Mais c'est pas grave. Par contre, on avance et on va où? Oh, imagine, c'est là où ils sont. C'est les casiers. Si tu mets ton sac, ta veste. On va se perdre. C'est immense. Si, je sens mal. Ça sent bizarre, ça sent. Imaginez, on ouvre une porte, on voit ça sent le renfermé. Ça sent quand je vais dans les appartements à la mer, quand tu vas en bas dans les caves et tout. On a fait juste le tour. Il y en a un des 7 qui. Mais en fait, il y a toutes les portes. Tu vois toutes les portes où il y a écrit 5 et tout. Mais en fait, c'est par là qu'on entre dans la salle. Ah, merci de prévenir. Ouais, t'as rien. Ouais. Genre ça, c'est par là qu'on entre dans la salle. Mais c'est encore. C'est déjà ouvert? Je sais pas. Ils avaient pas dit à 13h30, il est quelle heure? 42. Non, peut-être je sais pas. Tout cœur qui s'envole.
concert est fini. Vous avez vu ma coupe, elle a changé. Et je suis en sueur. Plus de voix. Plus de voix. Demain, update de ma voix. Vous allez voir, je serai. On a plein d'affiches. Le meilleur concert ever. Il n'y aura jamais quelque chose qui va surpasser ça. On a tous chialé. On a tous crié. On a tous. Ne me parlez pas ce soir, je répondrai pas. C'était magnifique. Quand ils sont partis pour la première fois qu'ils ont fait le prank, elle a chialé sa mort. Après, ils sont revenus, heureusement. Tu es de ma famille, de mon or et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans ces armées de sang. Il y a une camionnette blanche. Non mais c'est vrai. C'était incroyable. Moi, petit coup de cœur pour Roger Pris. Je vais devant, Momo. Je viens derrière avec toi. Bonjour. Du coup, voilà, je suis rentrée à la maison. Et vraiment, update du concert. C'était magnifique. C'était vraiment incroyable. De toute façon, moi, là, je vais trier toutes les vidéos, mais vous avez déjà vu le meilleur extrait et vous avez vu à quel point c'était waouh en fait. Surtout que la première fois de ma vie où j'étais en concert, c'était quand j'étais voir Kenji Girac, quand j'avais 7 ou 8 ans. Et j'étais fan, mais pas voilà, vraiment. Sinon, après, j'ai été voir Soprano, mais je connais les musiques que tout le monde connaît, mais le reste, je connais pas vraiment, j'écoute pas vraiment. Mais là, vu que ça fait depuis octobre qu'on a, ou novembre qu'on a suivi tout leur vie en détail, on connaît tous deux, on connaît tout vraiment, tous les jours on regardait les quotidiennes, le week-end on voyait tout, en fait on était tout le temps avec eux pendant 3 mois. Après quand ils ont commencé à faire les répètes et tout, moi j'ai regardé tous les vlogs de Candice, tous les vlogs de Lini. Du coup on les connaît bien, du coup quand on les voit c'est encore mieux, genre c'est impressionnant, on les connaît, on a vu leur parcours, leur évolution et tout, donc c'est incroyable, vraiment c'était trop bien. On était trop des fans en fait. Des grosses fans. On hurle à la mort. De toute façon, vous devez sûrement m'entendre dans les vidéos. J'essaie de pas chanter quand je filmais pour que vous puissiez entendre les chanteurs. Mais bon, je pense pas que j'ai réussi. Peut-être quelques vidéos, mais pas toutes. Incroyable, incroyable. Voilà, sinon, vraiment là, une des meilleures expériences de ma vie. Je suis trop contente. En plus, j'ai reçu les places pour Noël, du coup, le best cadeau de Noël en fait. C'était trop, trop, trop bien. Trop bien. Voilà, sinon. Là, je vais enlever le t-shirt parce que je l'ai juste mis pour vous montrer et un peu à la fin du concert. Mais du coup, je vais l'enlever parce que demain, je vais le remettre. Parce que mon petit t-shirt d'amour, on garde à la vie. Hein. Du coup, là, je vais l'enlever. Au moins, je le remets demain et je vais me mettre en pyjama. Et puis, je vais trier du coup toutes les vidéos et les photos. Parce que là, il y a trop. Il y a trop. Et je dois aussi manger, j'ai trop faim. Voilà, là, c'est le soir. Il est bientôt l'heure d'aller dormir. Et je vais faire vite faire ma skincare. Parce que vu que je me maquille aujourd'hui, demain, vu que je fais des sorties, prendre soin de la peau. Je voulais juste vous dire, vous rappeler à quel point ce concert était incroyable, que je suis trop contente et que j'ai pas eu le temps d'acheter ce que je voulais. Et du coup, les parents de mon ami repartent. Ils retournent le 17 avril. Du coup, je vais leur donner de l'argent pour qu'ils m'achètent les petites photos. Ça a coûté 15 euros, mais moi je pensais que c'était 15 euros une photo. Pour ça, j'ai pas acheté. En fait, c'est 15 euros pour les 10 photos. Et du coup, bah, je vais leur donner l'argent. Au moins, ils s'achètent pour moi parce que c'était vraiment trop belle. En plus, à leur signature. Et j'ai vraiment envie. Du coup, heureusement que j'ai une gentille amie qui a dit que je pouvais donner l'argent à ses parents et qu'ils allaient l'acheter pour moi. Et demain, on va être beaucoup, beaucoup. Il y aura beaucoup de bruit. Mais ça va être une journée super bien. Et la semaine prochaine, j'ai spectacle de danse. Peut-être que je vous ferai aussi un petit vlog de ma semaine de répétition pour mon spectacle de danse. On verra. Mais ces derniers temps, je fais plus de vlogs parce que les vidéos, j'en ai vraiment pas le temps. Et quand je vlog, bah, je fais en même temps plein de choses. Du coup, j'ai le temps de filmer. Mais faire des vidéos normales, j'ai vraiment plus du tout le temps parce que là, j'ai mes spectacles de danse, mes examens qui arrivent. J'ai les compètes importantes qui commencent. Là, j'ai eu le Brabant. Puis dans 2 semaines, j'ai FFG. Puis après, j'ai Championnat de Belgique. J'ai plein de compètes, plein d'examens, mes spectacles de danse en même temps, plus plein de sorties. Tous les week-ends, on est en compète. C'est un peu chaud de faire des vidéos. Et en plus, je dois étudier pour l'école. Je suis vraiment désolée. Mon bleu, il s'est presque terminé. Et voilà, voilà. Sinon, voici le cadeau de Momo que je lui ai fait. Il est beau, hein, le petit cadre que je lui ai fait. Je peux le montrer parce qu'elle aura déjà son cadeau. Et voilà, du coup, je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite bonne nuit et on se dit à demain matin. Coucou. Là, on est le
J'ai terminé de me préparer, j'ai fini mon maquillage, mes cheveux, j'ai fait une demi-couette avec une petite pince en fleurs. Et c'était juste pour dire que Candice, elle a vu ma story. Je suis trop contente qu'elle a vu ma story. J'attends que les autres la voient aussi. Mais Candice a vu ma story. Je suis so happy. Après, elle n'a pas répondu, mais bon, fallait pas espérer. Elle doit faire les montages de YouTube, elle doit faire la tournée, elle doit faire les répétitions, elle n'a pas le temps de répondre. Mais elle a vu. Là, nous partons dans une heure. Du coup, j'attends. Je reste sur mon téléphone. Et dans une heure, let's go to Walibi. Coucou, on est arrivé. Voilà, avec moi aussi. Hein. Et c'est l'anniversaire à Momo. De toute façon, j'ai dit hier qu'il devait mettre en commentaire bon anniversaire à Momo. À Momo Coco, je sais pas trop. Dédicace à Anéila, c'est comme ça elle s'appelait. Hein. Anéila, c'est Momo. Pas Coco. C'est la salle de Coco. C'est le fleuve. Bah oui, c'est pour ça, tu veux dire bonjour? Oui. Attends, je vais pas te voir. Tu veux dire bonjour, Mila? Je sais comment. Quand tu vas regarder ma vidéo, tu pourras te voir. Elle va être trop heureuse. C'est moi. Ok, du coup là on marche. Et on va aux chaises volantes, je sais pas trop. Juste le premier truc que ça. Tu râles. Ah, oh, le petit t-shirt, ça rack. À la vie, à la moitié. Et voilà. On se retrouve quand on est dans l'attraction. Coucou. C'est ça, un vlog. Coucou. Coucou, là on va faire les chaises avec Maëva. Elena. Oh my god, my god! Oh my god! C'est chouette! On a fini les chaises. Là, on se prépare, on fait la file pour le loup-garou. Moi, je fais avec Kira. Cette année, elle va pas m'abandonner. Hein. Ah oui! Il n'y a pas intérêt en fait. T'inquiète, tu vas voir, tu vas dire oh my god, je pensais que ça faisait plus peur. Ça va voir. Même Maxime il l'a fait l'année passée. Ouais, ouais, ouais. On est dans la file, on attend. Ouais, elle est longue, il y a encore. On a fini de partir. C'était incroyable, la meilleure attraction. Pourquoi tu vas dans la vidéo, t'as même pas fait. Voilà, c'était trop trop bien. On a eu peur au début, ouais. Mais en vrai, après quand on était dedans, c'était trop chouette. Mais le devant, ma chaussure, elle allait tomber. Mais le devant, ils sont tous trop peur. Le devant, ça faisait trop peur. Parce que t'es comme ça, Ramanti. Et tu voyais tout. Ton pain. Tout comme ça se passe. Du coup, ouais, il y a rien. Ah 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 non, ça va. Ah non, ça va pas, par contre. Coucou, là on est en train de manger avec Olivia, Maëva, Mila. Moi j'ai pris un burger au poulet avec des frites et de l'eau. Et la meilleure sauce, la mayonnaise. Moi j'ai pris ça. Toi t'as de l'oasis. Joyeux anniversaire. Hourra. On est dans la file. Et moi. Toi, t'es déjà montré. C'est un faux pas. Et du coup, là, on va faire la file pour faire le petit train. Le train de la mine. Et moi, je suis avec Anna. Et moi, je suis avec Andrea. Il y a de l'eau. Ouais, il y a de l'eau. Et du coup, moi, je vais faire avec Anna. Là, on est dans la file. C'était 25 minutes. Là, je passe avec combien de temps? Même pas 10 minutes, ouais, il reste encore la moitié de la file là. Pendant ce temps, je trie mes vidéos d'hier. C'est parti! Oh.
tour terminé. On attend les photos là. Ouais. Mais ça bug. Ça bug, les amis, ça bug. On a terminé l'attraction. Ça va, on est un peu mouillé. Regardez Milan. Ah, Sophia, cours te sécher. Montre d'abord à la caméra, après tu dois aller te sécher. Dans ton corps. Sophia, cours pour te sécher. T'as fait? Oui, c'est chouette. Je pense, hein. J'ai pas fait, on a été là-bas. Après, on a fait la skincare. C'était chouette. Ouais, on a fait la skincare. On a fait aussi la skincare des jambes. Nous, on a fait ici, c'était trop bien. On a fait de la skincare. Non, mais ça, c'est la skincare des jambes. C'est pour vous sécher si jamais. Oh, on va aller voir les autres. Là, on vient de faire le comptage, je voulais vous filmer, mais bon, regardez, c'est un peu compliqué à filmer. Hein. Du coup, je vous ai pas filmé, mais c'était super bien, on a eu super peur, mais après ça. C'était trop bien, ouais. C'était trop bien, vraiment. C'est, Mélie, elle avait dit, c'est juste un petit train, comme elle avait monté. Et puis, on va te laisser. Je me suis fait mal, j'étais comme ça, j'ai senti, ça me fait trop bien. J'arrivais pas à enlever ma tête. C'était bien. Laurie, elle voulait trop descendre au début, mais après elle a dit ah mais j'ai rien senti. À la fin, c'est ça. Non mais le premier descend du fait. Ah, mais là on va aller faire le cobra, je pense. On verra. Ma rouge, elle était. On peut aller prendre la classe. On peut aller près de là-bas prendre la classe. Non, ma rouge, elle était toute collée. On verra. On a crié au vent. Elle est là-bas le mur. Je le sens mal, je le sens vraiment mal. Elena, je suis désolée de te le dire, mais je pense vraiment que c'est nous qui va ramasser tout l'eau. Non, mais je sais pas pourquoi je le sens mal. Non, mais moi je suis jamais l'eau d'habitude, mais là je le sens mal. Oui, il y avait une fille, elle avait glissé là. Je sais plus. Avec Luana. Avancez. Et j'ai encore un peu les cheveux mouillés. Et là, on va aller faire une dernière fois le vampire. Je sais pas si j'aurai le temps de vous filmer la fin du vlog parce que mon tel il est à 6%. Je suis désolée, mais j'ai trouvé aucun endroit pour charger mon tel. Ouais, je pourrais finir avec le tel de Sophia. Vous allez où? Et voilà. Ouais, faut aller au vampire. Et voilà. Donc voilà, je suis rentrée à la maison et ce week-end de folie touche à sa fin.
Je suis tellement triste, mais c'était tellement incroyable. Vraiment, c'était le meilleur week-end, je pense, de toute ma vie. Du coup, j'ai dû vous laisser à la fin, quand on était au parc tous ensemble, j'ai dû vous laisser parce que mon téléphone était plat. Mais je suis bien rentrée. Et du coup, je ne vous ai pas montré ce que j'ai acheté comme souvenir. J'ai acheté un doudou. Walibi. J'hésitais, il y en avait plein. Il y avait un avec un pull rose, un avec un pull rouge et lui. J'ai choisi lui pour finir. J'ai eu du mal, mais les filles m'ont aidé. Nouveau petit ours. Et j'ai acheté deux porte-clés pour mes amis. Regardez. J'ai acheté les mêmes. Ils sont comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Parce qu'ils sont à l'envers. C'est un petit Walibi qui fait un cœur. Ils sont beaux, hein. Et voilà, j'ai acheté ça. Et c'est tout. Et voilà. Ce week-end était magique. Vraiment, trop bien. De toute façon, vous avez tous vu. Du coup, j'espère que vous avez bien aimé ce vlog. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, compteur, des pouces bleus, à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller me suivre sur mon compte Instagram qui apparaît juste ici. Et si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous. Bisous. Ciao.